Allez, c'est parti. Christine Sicot, ceinture rouge, à droite de votre écran, Goudarenko, plus grande, plus imposante. Et Christine qui essaye de faire lâcher. Ça passe vite, 4 minutes, on est déjà à 3,40 secondes. Et Goudarenko qui avait été championne d'Europe l'an dernier, qui a fait troisième cette année, qui a été troisième au championnat du monde, je ne sais plus quand, enfin bon, elle a fait tous les podiums, elle est là, c'est une vieille routière des tatamis. Et surtout, l'important c'est de ne pas se faire emballer au sol, de ne pas se faire enrouler. Christine qui est sur les jambes, là c'est bien, il passe à Daguet. Ouais, magnifique. Yuko avantage à 5 points pour Christine Sicot. Je vous l'avais dit tout à l'heure, Goudarenko elle est sensible à cette prise. Et Christine Sicot qui mène dans cette finale pour la troisième place. Allez, faut aller chercher ce Skoumikata, faut pas faire d'erreur. Faut rester toujours active. Le défaut de Christine un petit peu, c'est quand elle mène, tout d'un coup elle se replie, elle se referme, elle ralentit le rythme. Alors qu'il faut continuer à se battre. Oui, oui, encore Ippon Soenagi. Waouh, Ippon, Ippon, Christine Sicot prend la médaille de bronze. C'est magnifique sur Ippon Soenagi. Christine Sicot monte sur le podium. Première médaille pour les Français. Et regardez la joie de Christine, c'est magnifique. Deux fois le même mouvement. Et le judo français qui va prendre deux breloques aujourd'hui. Une de bronze. 31 ans Christine Sicot avec ce mouvement magnifique. Elle a renversé en passant sous le centre de gravité. Elle est allée chercher cette Russe. Et elle est émue, on la comprend. Pour lancer quoi? Regardez Christian Niou, juste le mot, c'est bien. Et Christine qui est en larmes. Regardez le petit geste, première médaille en judo, c'est une Française, Christine Sicot, 31 ans, de Libourne, et elle peut pleurer, c'est des larmes de joie, c'est fantastique.